c'est nous qui devrions être le plus découragés. Tu vois ce qu'on nous a fait, toute la CDP, là, tous les anciens du parti, ça fait bientôt, nous sommes dans la cinquième année du pouvoir, on ne prend personne, ni dans le gouvernement, ni dans les entreprises, ni dans les postes propres au chef de l'État. Mais quand on continue à récompenser même ceux qui ont détruit le parti, les auteurs du mandat spécial qui ont détruit le parti, ce sont les mêmes qui ont bloqué le fonctionnement du directoire. Monsieur Richard, si vous ne le saviez pas, je le sais. Ah, tu le sais, mais pourquoi tu le dis? Kabou était inspiré par qui? Qui l'inspire? Voilà. Et voilà, on le récompense. Mais si on vous donne un poste important comme celui-là et que vous n'avez aucune notion d'administration, vous aucune notion de valeur à défendre pour l'intégrité du pays, pour la sûreté, la sécurité, un poste aussi vaste qu'il y a, vous vous rappelez mon discours du 12 novembre 2022. C'est ça le boulamata de l'État, du ministère de l'Intérieur. Bon, ça fait la troisième fois qu'on va donner encore à quelqu'un de l'UDPS. Nous espérons que nous n'aurons pas les mêmes critiques. Quand on continue à nous comparer aux gens que Kabila avait mis là-bas, vous connaissez la liste. Beaucoup sont passés par là, des bosses, des corps, sont passés par là. Et ils ont laissé des traces là-bas, et nous risquons d'avoir des problèmes. Au même ministère là-bas, on dit on a donné à l'UDPS, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? On va voir ce que ça va donner. Quand on pleure, le peuple pleure, c'est l'UDPS qui est dans la honte. C'est l'UDPS qui est dans la honte. C'est l'UDPS qui est dans la honte. Voyons voir les 9 mois qui restent ici, ce qu'il va produire si on ne liquide pas les forces négatives. On risque même de compromettre les élections. Ce sera encore une autre honte pour nous. Donc, une année et demie sur 5, c'est très peu. J'attendais à ce que peut-être on me pose la question. Vous aviez déclaré le 12 novembre 2022 que le poste de secrétaire général était vacant. Et maintenant, vous prononcez le nom du secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Parmi vous, il y en a qui viennent chez moi ou qui viennent assister à nos actions, mais qui par moment se retrouvent devant le même Kabuya dont vous parlez. Ce combat, nous l'avons commencé presque seul contre tous après le décès de notre père, mais Dieu étant avec nous, il a suscité de plus braves que Wakwenda, et ils sont nombreux. Ce qui fait que aujourd'hui, dans le monde, et j'en ai eu la preuve à la sortie de la prison, j'en ai eu la preuve que nous étions soutenus dans le monde entier, même par des institutions étrangères. Donc notre combat, il est loyal, il est juste et il est légal. En tant que combattant de la liberté, combattant de l'UDPS, sachant bien que les dirigeants actuels de l'UDPS n'ont plus mandat, en ma qualité de président du bureau de la Convention démocratique du parti, CDP en sigle,
et membre préséant du directoire du parti UDPS Tshisekedi, je me fais l'honneur de m'adresser à vous en ces jours mémorables du 30 mars 2023. Soit 5 ans, jour pour jour, après le premier congrès extraordinaire du 30 au 31 mars 2018. Moi, selon moi, je voudrais que l'autorité, la haute autorité de référence du parti, puisse soutenir le congrès le plus tôt possible pour mettre fin à tout ce qui se passe au sein du parti comme des hommes. Pourquoi il ne l'a pas fait jusqu'à présent? 4 ans, j'ai dit bien, à l'exception du bureau élu le 1er mars 2019 et des membres délégués de la CDP nommés le 17 janvier 2019, toutes les autres structures, organes et leurs animateurs du parti deviennent hors mandat à dater du 1er avril 2023. L'UDPS étant l'esprit, et cet esprit, il est difficile de l'anéantir. Vous pouvez prendre toutes les formes de menaces que vous avez, toutes les formes de corruption que vous avez, toutes les forces de négationnisme que vous pouvez imaginer selon les différentes doctrines, mais l'idéologie, les valeurs prônées par l'UDPS, tant que on n'a pas encore libéré ce Congo, ces valeurs-là vont demeurer. C'est ça l'esprit de l'UDPS. L'UDPS n'est pas encore satisfaite, même si nous avons le chef, notre chef, l'enfant maison au pouvoir, mais l'UDPS n'est pas encore satisfaite. Ma Mission TV, le miroir du monde. CDP Victor Wakwenda Okasa, Tobendi Mapoko Makasi Makana Président. Président de la CDP, président légitime, Victor Wakwenda Okasa est avec nous. Voilà, merci. On n'est pas dans un cachot. Non. Voilà. Vous pouvez partir, il est parti. Inno pour la démocratie, idée. Inno pour la démocratie. Elle est le progrès social. Notre parti du peuple. De la majorité, union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité. Il dépasse vers.
viva, l'IDPS est viva, 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 Tshisekedi est l'héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo, fasciste, chef de l'État, béton, béton, Biki Bouche, aigle majeur, Fulani Yeke, pas possible. Que Dieu soit glorifié. L'échantillonnage de la ville est là. Et à travers la ville de Kinshasa, c'est tout le pays qui est réuni ici, le pays dont le peuple combattant dans l'UDPS. Je me suis fait l'idée de l'échantillon. Permettez alors que je m'adresse à vous, à travers vous, que je m'adresse à l'ensemble du peuple de l'UDPS. Message pathétique du 30 mars 2023. Distingués cadres supérieurs, cadres, combattants et combattantes de la liberté, je vous salue tous au nom de notre père Yatiti, de son fils Yafati Beton et du peuple d'abord. En ma qualité de président du bureau de la Convention démocratique du parti CDP en sigle et membre préséant du directoire du parti UDPS Tshisekedi, je me fais l'honneur de m'adresser à vous en ce jour mémorable du 30 mars 2023. Soit 5 ans, jour pour jour, après le premier congrès extraordinaire du 30 au 31 mars 2018. En ce jour anniversaire, j'ai le devoir d'attirer votre particulière attention sur les faits suivants. Primo, à l'exception du bureau élu le 1er mars 2019 et des membres délégués de la Convention démocratique du parti CDP en sigle, nommés par décision numéro 26/UDPS/PP/19 du 17 janvier 2019, toutes les autres institutions du parti et leurs animateurs, entendez, secrétaire général, secrétaire généraux adjoints, secrétaires nationaux et adjoints, comités fédéraux intérieurs et extérieurs, comités sectionnaires et cellulaires, intérieur et extérieur, bureau et membres de la CEP, comité directeur des deux ligues, etc., sont tous
hors mandat à dater de demain, 1er avril 2023. J'ai dit bien, à l'exception du bureau élu le 1er mars 2019 et des membres délégués de la CDP nommés le 17 janvier 2019, toutes les autres structures, organes et leurs animateurs du parti deviennent hors mandat à dater du 1er avril 2023. C'est une situation grave, très grave, pour un parti censé organiser. Secundo, investi le 24 janvier 2019, président de la République démocratique du Congo, et empêché par l'article 96, alinéa 2 de la Constitution, le chef du parti, UDPS Tshisekedi, ne peut ni lui-même, ni par conseiller interposé, renouveler ou confier un quelconque mandat à aucune institution ou membre du parti. Tertium. Au terme de la loi numéro 004-002 du 15 mars 2004 sur les partis politiques, le ministre de tutelle ayant les affaires intérieures dans ses attributions n'a le droit d'interférer dans la gestion interne des partis politiques ni dans la désignation de leurs dirigeants, son rôle se limitant à les réguler afin qu'ils se conforment et à la loi et à leurs textes internes. Article 17 de la loi sur les partis politiques. Conformément à ces dispositions, le président du bureau de la CDP, par lettre de notification du 18 février 2022, avait annoncé au ministère de l'Intérieur, à la CENI et à toutes les institutions de la République la composition du directoire qui dirige l'UDPS Tshisekedi suite à l'empêchement constitutionnel de son président, à savoir M. Victor Wakwenda Bukasa, président de la CDP et membre préséant du directoire. M. Augustin Kabuya Chilumba, secrétaire général et membre puissant du directoire. M. Jacquemin Chabani Louko, président de la CEP et membre terséant du directoire. Mais celui-ci, étant nommé conseiller du chef de l'État, devra être remplacé par son adjoint à ce poste. Quarto, pour éviter le vide juridique à la tête et au sein du parti, le directoire assume l'intérim du chef du parti, conformément à l'article 26 des statuts. Tandis que les animateurs des autres institutions gèrent les affaires courantes, chacun à son niveau, jusqu'à la fin de la transition. Gérer les affaires courantes
signifie s'interdire de prendre des décisions d'option, de procéder à des actes de nomination ou de suspension sans se référer à l'autorité disciplinaire qui est la Commission nationale de discipline, CND en sigle, présidée actuellement par M. Dieudonné Enyelinga. Quinto, aux fins de faire face aux enjeux politiques et électoraux de l'heure, les membres du directoire du parti devront se retrouver au siège national du parti, symbole de l'unité, autour du secrétaire général du parti, hôte et garant de la sécurité, de la logistique et du protocole, dans les meilleurs délais, en vue d'arrêter les modalités de la tenue d'une session extraordinaire de la CDP consacrée à l'unité, à la réparation et à la réconciliation préparatoire au congrès de clarification du parti. En attendant, j'exhorte tous les cadres supérieurs, cadres, combattants et combattantes de la liberté, à l'amour, au pardon, à l'unité et à la défense des valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité nous légués par notre père de la démocratie congolaise, notre héros national, nous avons cité Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Une épaisse égale parti de droit égale État de droit. Je vous remercie. C'est à Kinshasa le 30 mars 2023, Victor Wakwenda Bukasa, président de la CDP, membre du directoire du parti. Il n'appelle pas de commentaires, mais comme nous sommes en famille, un échantillon représentatif de tous les combattants de la liberté, je suis prêt à répondre à l'une ou l'autre question d'éclaircissement pour que ce que vous avez entendu, qui sera largement diffusé, soit répandu à travers le pays et à travers la diaspora, pour qu'il n'y ait aucune équivoque dans l'étape de la vie de notre parti qui démarre dès le 1er avril 2023. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de faire, mais j'ai une petite inquiétude parce que ce genre de manifestations, on en a vécu autant. Mais à chaque fois que l'on tient ces genres de manifestations, nous avons des embûches devant nous provenant de la part du secrétaire général Augustin Kamboé. Alors, je ne sais pas, avec votre accord, comme les médias sont utilisés comme étant le quatrième pouvoir, pourriez-vous nous accorder de faire une large diffusion, même sur les réseaux sociaux? Parce que nous détenons la vérité. La lutte que nous menons, c'est une lutte noble. Nous avons la vérité, mais parfois nous sommes empêchés. Quand on veut publier quelque chose, des fois on nous dit non, ne faites pas ça, ça pourra entraîner la division au sein du parti. Mais alors que nous détenons la vérité, on nous empêche de faire une large diffusion de cette vérité. Alors que de l'autre côté, ils sont dans le fausseté, mais ils sont très actifs.
Alors, l'inquiétude que nous avons, c'est que, d'abord par rapport à votre équipe de communication, nous ne voyons pas assez d'activités. On ne sait pas si votre équipe de communication, il n'y a qu'une seule personne ou bien il y en a autant. Parce que sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est quasi inexistant. Alors, pourriez-vous nous donner cet accord-là de faire une large diffusion, même avec nos petits moyens que nous avons, si on pourrait le faire. Et aussi, vous nous garantissez qu'au moins cette fois-ci, notre lutte va trouver quelque chose de bon. Parce que nous sommes souvent coincés. Je crois que l'essentiel a été compris. Je n'ai pas le premier à faire ces observations. À chaque manifestation, la même question se pose. Les gens qui s'étaient empressés à entrer, à être nommés dans cette cellule, brillent souvent par leur absence ou par leur inactivité dans les réseaux. C'est une défaillance, mais elle n'est pas de mon côté. Parce que quand je n'avais pas encore nommé, je subissais des pressions de toutes parts. Mais les gens ont été nommés, mais ils ne sont pas efficaces sur le terrain. Mais nous ne perdons pas notre courage et notre persévérance. Ce combat, nous l'avons commencé presque seul, contre tous, après le décès de notre père. Mais Dieu étant avec nous, il a suscité des plus braves que Wakwenda, et ils sont nombreux. Ce qui fait que aujourd'hui, dans le monde, et j'en ai eu la preuve à la sortie de la prison, j'en ai eu la preuve que nous étions soutenus dans le monde entier, même par des institutions étrangères. Donc notre combat, il est loyal, il est juste et il est légal. Cependant, votre inquiétude du côté des réactions du secrétaire général, que la CDP avait eu l'honneur de l'élever au rang de secrétaire général le 29 janvier 2022, il s'est montré très peu coopérant, mais après leurs événements, leur aventure de Kisantu, et l'audience leur accordée par le chef du parti, à l'OUA, ils en ont eu la nette impression que le chef du parti sait et croit qu'il faut unir les deux tendances, les légalistes que nous sommes et les anarchistes que sont les autres. Le chef leur a rappelé, les a rappelés à la raison, leur avait confié la mission de lui ramener autour de lui le président Wakwenda, chose qu'ils n'ont pas réalisée. Mais nous, on ne s'est jamais découragé. On a toujours été prêts à être reçus par le chef, à nous confronter à qui que ce soit sur base de nos textes, sur base de nos valeurs, des valeurs que nous défendons. Nous sommes prêts à tout moment pour les défendre. Maintenant qu'ils ont diffusé l'information, ils ont diffusé partout depuis leur échec de Kisantu, que la main est tendue, nous devons marcher vers l'unité, eh bien, cette main tendue,
et se retrouve dans notre message d'aujourd'hui. Personne, à moins d'avoir une très mauvaise volonté satanique, le message est clair. C'est un message qui tend la main, qui ouvre les bras à tous pour qu'unité, l'unité se fasse et que le grand parti qui est l'UDPS fasse aux enjeux de l'heure, surtout les enjeux électoraux. Donc nous croyons que ce message aura du répondant dans toutes les sphères de notre parti. Vous autorisez à le diffuser, mais c'est la moindre des choses. Il y va de soi. Le directeur de cabinet et son comité organisateur de cette séance, à qui nous rendons honneur, parce que ils ont, en réalisant nos textes, c'est eux qui ont fait appel à moi pour me dire, soyez attentifs, il y a une grande échéance qui nous attend, qui attend le parti. Au nom de tous les combattants, je remercie les organisateurs, ici représentés par les deux spéciaux, qui transmettent mes remerciements au directeur de cabinet empêché et à tous ceux qui les ont secondé. Le message tel qu'il est lu, nous avons préféré qu'il soit enregistré par un seul journaliste, le journaliste maison, qui a des moyens techniques audiovisuels. À partir de lui, il va se sécréter des liens qui seront envoyés aux principales maisons de presse auxquelles nous faisons souvent appel. Nous enverrons par les mêmes moyens les contributions dont ils ont besoin. Donc, le premier diffuseur officiel et autorisé, c'est notre journaliste maison qui est spécialisé dans l'Internet. Ensuite, le message papier sera photocopié et distribué comme des petits pains par Chimpanga Raphaël qui en a l'art. Il va le reproduire et le diffuser partout, le distribuer partout. Ce message papier sera aussi imprimé dans le WhatsApp pour être envoyé par mon PASEC à tous les groupes des réseaux sociaux pour qu'ils le diffusent et éventuellement qu'ils le commentent. Donc la diffusion est autorisée et elle sera le garant du succès que ce message va remporter pour réussir l'unification du parti. J'attendais à ce que peut-être on me pose la question. Vous aviez déclaré le 12 novembre 2022 que le poste de secrétaire général était vacant. Et maintenant, vous prononcez le nom du secrétaire général, Augustin Kabuya Chilumba. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Le message
a une connotation politique requise par le chef du parti. C'est lors de la session extraordinaire que nous devons préparer avec lui, c'est lors de la session extraordinaire de la CDP qu'on trouvera les voies et moyens juridiques pour réparer ce qui a été abîmé. Je n'ai fait qu'anticiper. Je n'ai fait qu'anticiper, puisque nous sommes légalistes. Mais le travail juridique sera fait à la session de l'unité de réparation et de réconciliation de la Convention démocratique du parti, seul organe pour le moment légal et légitime qui peut parler au nom du parti. Il y a une sous-question. Il y a plusieurs points. Pardon. Oui. C'est moi. Devant l'opinion nationale et internationale, parce que le document sera diffusé dans le monde entier, vous avez une base juridique en tant que combattant de la liberté, combattant de l'UDPS, sachant bien que les dirigeants actuels de l'UDPS n'ont plus mandat et que nous avons la transition devant nous pour remettre de l'ordre dans le parti. Tout celui qui se mettra en route pour faire déraper le processus de l'unification, c'est lui qui sera mis hors jeu. Car il se retrouvera seul, isolé et sans mandat. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui puisse, en cette période ici, prendre les risques d'entreprendre une action qui perturberait le parti au moment où il n'a plus mandat. Donc nous nous appelons à la sagesse de chacun, et surtout que le message arrivera aussi, sera aussi destiné à notre haute autorité de référence du parti, qui sera le premier témoin de notre bonne volonté et de notre disponibilité pour terminer en beauté ma mission, comme je lui ai déjà annoncé dans ma lettre du 30 novembre, que ma mission bientôt au sein de l'UDPS sera terminée à partir du moment où je lui avais délivré les messages, les deux messages prophétiques de son père, feu notre papa, docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je ne peux pas quitter ma mission, terminer ma mission au sein du parti en désordre. Je suis légaliste, je vais aider tous les jeunes de bonne volonté, à continuer la lutte que nous avons menée avec feu notre papa, et que les autres de notre génération vont aussi céder à leur tour aux générations futures. L'UDPS étant l'esprit, et cet esprit, il est difficile de l'anéantir. Vous pouvez prendre toutes les formes de menaces que vous avez, toutes les formes de corruption que vous avez, toutes les forces de négationnisme que vous pouvez imaginer selon les différentes doctrines, mais l'idéologie, les valeurs prônées par l'UDPS, tant que
on n'a pas libéré, on n'a pas encore libéré ce Congo, ces valeurs-là vont demeurer. C'est ça l'esprit de l'UDPS. L'UDPS n'est pas encore satisfaite, même si nous avons le chef, notre chef, l'enfant maison au pouvoir, mais l'UDPS n'est pas encore satisfaite tant qu'elle n'a pas encore fait appliquer son projet de société pour libérer le Congo. Donc, parmi vous, il y en a qui viennent chez moi ou qui viennent à assister à nos actions, mais qui, par moments, se retrouvent devant le même Kabouya dont vous parlez. J'ai suffisamment de preuves. C'est le moment qui vous est donné d'aller lui expliquer que cette fois-ci, nous partons et on vous donne la possibilité de vous retrouver avec nous. Parce que le parti va démarrer le 1er avril où personne en dehors de la CDP n'a plus de mandat légal. Donc c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de choix. Donc conseillez-le. Mais je sais que ces derniers temps, il a fait des signes, des signaux positifs en cherchant à me rencontrer, mais je lui ai envoyé, les mêmes personnes m'avaient envoyé de lui dire où il devra me rencontrer, parce que le chef de l'État, depuis qu'il leur avait donné mission qu'on soit autour de lui, qu'on mette l'unité partie, ben, ils n'ont pas encore réalisé et moi j'attends. Donc il n'y a rien à craindre, il faut plutôt prendre les choses au positif pour construire. Pour construire. Et c'est vous qui continuerez cette œuvre. C'est vous. Donc n'ayez pas peur, utilisez votre sens de persuasion. Nous ne sommes pas violents, on nous attaque, mais nous répondons par la loi, nous répondons par la justice, nous répondons par l'amour. Et c'est cela qui construit. On ne construit pas dans la violence. La violence détruit. Et souvent, elle se retourne contre son inventeur. Donc, je vous conseille de vous transformer tous en émissaires de bonne volonté pour construire le parti, parce que nous risquons d'avoir un vide juridique qui pourrait se transformer en un chaos généralisé. Et ceux qui n'avaient pas encore exercé de fonction au sein du parti savent que pour le moment, tous ces gens qui avaient été nommés après le premier congrès ordinaire, donc après 2010, et ceux qui ont été nommés après le premier congrès extraordinaire de 2018, leur mandat ont pris fin, les 5 ans. Il n'y a personne pour le moment qui puisse les renouveler si nous n'arrêtons pas les dispositions ensemble pour arriver à un congrès de clarification qui pourra sortir de nouveaux dirigeants et des dirigeants qui pourront alors nommer d'autres dirigeants. Donc personne ne peut vous inquiéter pour le moment. Il n'y a plus personne qui a la légalité et la légitimité nécessaire pour pouvoir faire peur à qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle nous invitons les membres du directoire. Nous avons précisé que il doit y avoir un adjoint au bureau de la CEP. C'est cet adjoint-là qui doit se joindre aux deux autres membres du directoire à la place de Chabagne. Si Chabagne n'a pas encore compris cela, j'ai vu le collectif de fédéraux, je crois, qui lui ont envoyé un message après le colloque de Bondeko. J'espère qu'il a déjà compris qu'il risque d'entraîner le chef dans une erreur de haute trahison devant la Constitution. Donc j'espère que s'il n'a pas encore compris, rencontrez-le et dites-lui que son adjoint
rejoignent les autres pour éviter toute confusion et toute compromission de notre chef. Voilà, je crois que c'est suffisamment clair. Très bien. Il y a un doigt qui insiste derrière là. Si c'est quelque chose de nouveau, je vous écoute. Aujourd'hui, selon ce que vous venez de dire, vous décrétez une transition sans départir, ce qui est évident. Alors que le statut de leader passe clair, ce n'est pas à moi de vous apprendre. Qu'une fois que le président du parti est empêché de partir de vrai et vrai dans le directoire, que le directoire est vrai dans le pêle-mêle, que chacun de nous a les cicatrices, a l'image de ce qui s'est passé au sein du parti. Donc nous nous demandons aujourd'hui, en face de vous, quel est le modèle que vous léguez maintenant aujourd'hui, suite à ce qui s'est passé au sein du parti. Parce que la coutume de notre parti, c'est que le pyramide est renversé. C'est-à-dire ce que la base donne comme solution, c'est ce que les autorités vont appliquer. C'est ce que nous n'avons pas constaté au sein du parti. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est découragé, de part et d'autre dans les deux camps. Aujourd'hui, nous assistons à un parti politique au pouvoir des tout-puissants, des partis privilégiés pour quelques têtes qui ont un mot à dire, qui empêchent les autres pour parler. Monsieur le Président, le modèle que vous me léguez aujourd'hui concernant le statut, c'est quel modèle? De deux, la transition que vous décrétez aujourd'hui, de tout ce temps, on était dans le directoire, ou c'est aujourd'hui maintenant que les directeurs commencent à travailler. Parce que nous avons assisté à une messe noire dite le 29 janvier 2022, auquel moi-même j'y étais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela n'a jamais été pratiqué. Nous sommes allés accompagner les autres pour les servir et à balayer leur route et se retrouver dans l'éclairage autour d'aujourd'hui. Monsieur le Président de la CDP, qu'est-ce que vous nous donnez comme message? Est-ce que vous tendez la main que les autres viennent? N'est-ce pas que ça sera encore une façon peut-être de leur servir, de monter encore, de monter leur barre en haut, et que nous nous risquons de rester encore toujours avec les mêmes luttes? Moi, selon moi, je voudrais que l'autorité, la haute autorité de référence du parti, puisse soutenir le congrès le plus tôt possible pour mettre fin à tout ce qui se passe au sein du parti comme des autres. Et pourquoi il ne l'a pas fait jusqu'à présent? 4 ans. Monsieur le Président, ce fait aussi que... Maintenant, vous avez compris pourquoi, dans le message... On peut remettre de l'ordre dans les organes nationaux. Par exemple, nous avons le congrès. Après le congrès, c'est la présidence du parti. Après, c'est la CDP, on devrait mettre CDP. Est-ce qu'il faut continuer à l'appeler CDP ou rentrer au comité national ou l'appeler conseil national, compte tenu de l'ambiguïté, il y a des gens qui pensaient que CDP c'était un autre parti qui ressemble à celle de Belchica. CDP, ça a créé beaucoup de confusion dans la tête. Bon, ce sont des nuances comme ça qu'on peut nettoyer, mais les options pour arriver à un tel travail doivent être levés dans la session de la CDP. Parce que c'est la CDP qui a le pouvoir de fixer l'ordre du jour du congrès et de l'annoncer 2 mois avant sa tenue. Donc en fait, c'est la CDP qui a le pouvoir de convoquer le congrès ou d'assumer les attributions du congrès quand celui-là ne se tient pas. Donc voilà à peu près la réponse que j'ai pu donner. Tu as dit qui ça? Richard, nous, on a combattu, mais la lutte continue de génération en génération. Prenez le relais. N'attendez plus, ne craignez plus personne. Comme l'occasion se présente qu'on mette de l'ordre, profitez-en pour qu'on mette de l'ordre et que vous ayez des dirigeants nommés ou élus, mais qui méritent la confiance et qui ont la compétence nécessaire
pour sauver le Congo. L'IDPS a été créée pour sauver, pour libérer le Congo. Il n'y a pas un autre motif. Quand on dit progrès social, c'est l'ensemble du peuple congolais là qu'il faut donner un certain degré de bonheur. Quand on dit le social, c'est tous les aspects humains qui concernent la personne humaine et qui est cette personne-là qui est congolaise. Si on peut l'aider à avoir un minimum de bien-être, un minimum de bonheur, pour se dire enfin, je suis dans un pays grand, prospère et indépendant, qui est la République démocratique du Congo. Je vous remercie, je pense que la lumière a été donnée. Vous êtes des messagers, allez propager l'information, encourager ceux qui hésitent. Quand tu m'as dit qu'il y en a qui sont découragés, non, si toi tu es découragé, nous pas. C'est nous qui devrions être le plus découragés. Tu vois ce qu'on nous a fait, toute la CDP, là, tous les anciens du parti. Ça fait bientôt, nous sommes dans la cinquième année du pouvoir. On ne prend personne, ni dans le gouvernement, ni dans les entreprises, ni dans les postes propres aux chefs de l'État. La dernière fois ici, quand on nous disait qu'il allait nous recevoir bientôt, la lumière circulait, tous ceux qui sont en contact avec la cité de l'OIA, on disait que le chef de l'État, le chef du parti, est dans de bonnes dispositions pour revenir vraiment à l'unité dans l'UDPS et de poser des actes d'équité envers les autres, envers tout le monde. Et qu'il allait prendre parmi les anciens, parmi les membres de la CDP, etc., même parmi les forces vives, pour qu'il y ait cet esprit-là d'équité. Parce que c'est une des valeurs. Mais quand on continue à récompenser même ceux qui ont détruit le parti, les auteurs du mandat spécial qui ont détruit le parti, ce sont les mêmes qui ont bloqué le fonctionnement du directoire. Monsieur Richard, si vous ne le saviez pas. Je le sais. Ah, tu le sais, mais pourquoi tu le dis? Kabou était inspiré par qui? Qui l'inspire? Voilà. Et voilà, on le récompense. Et nous risquons d'avoir des problèmes. Au même ministère là-bas, on dit on a donné à l'UDPS, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? On va voir ce que ça va donner. Mais si on vous donne un poste important comme celui-là, et que vous n'avez aucune notion d'administration, ou aucune notion de valeur à défendre pour l'intégrité du pays, pour la sûreté, la sécurité, un poste aussi vaste. Qui a, vous vous rappelez mon discours du 12 novembre 2022. C'est ça le Matadi de l'État, du ministère de l'Intérieur. Bon. Ça fait la troisième fois qu'on va donner encore à quelqu'un de l'UDPS. Nous espérons que nous n'aurons pas les mêmes critiques. Quand on continue à nous comparer aux gens que Kabila avait mis là-bas. Vous connaissez la liste? Beaucoup sont passés par là, des bots, des gros, sont passés par là. Et ils ont laissé des traces là-bas, sur lesquelles nous avions attiré l'attention du premier VPM Kankonde, de l'UDPS. Il dit, attention, il y a tel secteur, il y a des pièges qu'il faudra nettoyer. Mais si on y va comme ça, bon, nous aurons encore à pleurer. Et quand on pleure, le peuple pleure, c'est l'UDPS qui est dans la honte. Donc nous voulons que cette honte-là, une fois pour toutes, on la lave, et que Fatou Béton récupère enfin un mandat plein. Parce que pour le moment, pour moi, c'est un mandat de 1 an et demi qu'il est en train d'exercer. Les 2 premières années, c'était le complément du 3e mandat
de Kabila. Vous vous rappelez ma campagne? Oui. Après ces deux années perdues, le choléra et le Covid-19 ont pris une année et demie aussi. Et à peine il s'est relancé, il fait un budget et on lui crée un 23. Donc si vous calculez bien, bon, dans la paix pour faire appliquer son programme, c'est une année et demie. Voyons voir les 9 mois qui restent ici, ce qu'il va produire si on ne liquide pas les forces négatives. On risque même de compromettre les élections. Ce sera encore une autre honte pour nous. Donc, une année et demie sur 5, c'est très peu. Donc, il faut qu'on lui donne le vrai mandat plein et avec une majorité, stable, une majorité de l'UDPS, une majorité parlementaire de l'UDPS. Tous ces petits groupes qui utilisent son nom pour dire qu'ils sont alliés à l'UDPS, etc., en fait, ils cherchent à profiter de son argent pour faire leur campagne. Et quand ils vont sortir leurs députés, ils vont entrer en négociation avec lui pour qu'il fasse encore des coalitions. Au lieu d'avoir une majorité claire de son parti. Voilà, chers combattants de la liberté, le complément au message que nous avons adressé au peuple de combattants. Ce message commenté vous permet d'être des porteurs d'un message juste, clair et pacifique pour la restauration de notre parti et la conquête du deuxième pouvoir. Je vous remercie. Très représentatif de notre cher parti. Nous croyons que ce message, nous allons le faire nôtre et il va être diffusé en détail. Et nous pensons que le message, dans sa clarté, nous permet de lever un certain nombre d'équivoques. Pourquoi? Parce que nous ne pourrions pas commencer à prendre la parole avant que vous qui êtes les leaders de ces camps que nous appelons les camps de la légalité ne puissent dire mot. Vous vous souviendrez qu'il y a un temps où notre directeur de cabinet empêché nous a donné mandat de commencer un travail de réflexion autour de la convocation de la 5e session de la CDP. Il a nommé une commission et c'est ce lieu qui nous a servi de cadre pour ce travail. J'étais moi-même désigné par les membres de cette commission comme coordonnateur avec l'assistance de Maître Anthony comme coordonnateur adjoint. Et je crois que le travail de ces vaillants combattants, de ces cadres au cadre du parti, vous est parvenu. Nous pensons que c'est nous qui vous remercions parce que nous attendions que les mots viennent d'abord de vous. Pour le reste, soyez-en sûrs, vous ne serez pas déçus. Je crois que c'est à ce terme que nous pouvons clôturer cette cérémonie. Au nom de tous les hauts cadres du parti que nous représentons ici et au nom de ceux qui sont déjà dans l'au-delà et qui continuent à nous soutenir parce que nous disons que dans ce que nous faisons, il y a la Providence. Nous vous disons encore merci beaucoup. Et je crois que nous ne pouvons que terminer par l'hymne du parti. Je crois que président Kabbalah pouvait intonner l'hymne du parti pour que nous puissions clôturer. Parce que nous avons commencé par ça. Union pour la démocratie. Et le progrès social.
Ma Mission TV, le miroir du monde.